Nous devons connaître, est-ce que dans le parcours, dans la campagne, est-ce qu'on est contré avec ONG? Parce que si je ne me trompe, il y a à peu près 11 000 ONG dans le pays. Et nous devons connaître, est-ce que ou un plan bien défini comment pour régulariser le travail que ONG a fait dans le pays. Ça, c'est la première question. La deuxième question, je devrais connaître un gros problème de, du respect de la propriété privée en Haïti. Est-ce qu'on a un plan sur ça? Merci. Merci. Et premièrement, pour nous parler de ONG, en Haïti, on ministère de la planification, quoi, tout le monde connaît ça. ONG, son organisation non gouvernementale, l'on vient en Haïti, ou pas qu'on entrer pour tout. Ça veut dire quand même, au moment de l'autorisation, l'État, c'est comme ça qu'on rentre dans le pays. Maintenant, le bon autorisation, moi-même, le plan est simple. Fok nouvelle technologie, yo rentre dans l'État. Ma même besoin, ce monde, non, qui pourra être interférence sous programme nan. Ou vini dit que ou vle faire un centre de santé dans 5e section communale Bokozel Saint-Marc. Ou al sou site là ou aller. Ou monter 5e section communale Bokozel centre de santé. Mais gon formulaire pour eux même accepte comme ONG gon formulaire pour remplir ce site là pour baou. Qui pour imprimer le bout. Les dou carrément site là k'ap pa la vôt. Bokozel nous avons 5 centres de santé déjà. Nous avons besoin. Un exemple. Je ne sais pas s'allier, je ne parle pas de section communale. Là. Les jours que c'est l'école, là, l'école que nous avons besoin. Construction, l'école. Carrément, ONG, ça, pas éligible pour faire un centre de santé sous Bokozel. Si vous besoin de faire l'école, vous avez besoin de formulaire pour remplir. Bon, un exemple. La deuxième chose. ONG, c'est aide internationale là qui passe à travers des ONG. Ce n'est pas l'argent que le pays d'Haïti prête qui passe à travers ONG. Et de 1996 à aujourd'hui, ça fait 20 ans depuis que l'aide internationale n'est pas passée par l'État encore, sous prétexte nous avons un problème de transparence, problème de corruption et autres qui fait que tout l'argent passe par les ONG. Moi pas là soit me fustiger ou bien critiquer et ONG ou gestion ou faire de quoi. Même là pour un seul bail. Moi dit tout ONG ou bien dirigeant d'ONG pays d'origine pour yo tout connaît pays d'Haïti son pays hospitalier. Mais hospitalité nous hein, il pour aller directement vers le bien pour le plus grand nombre. Et dit souvenir à Kobla nous-même pour voir peuple ça qu'a garder moi là pour le ban moi. Ma clé avec nous. Et qui pam, nous allons obliger de travailler ensemble pour qu'on ait l'or, qu'on ait un monde. Combien lié, soit pour le favel, et qu'on soit pour le faire, soit pour le favel. Là. Et l'État, c'est le gars bien wall ça, pour dire qu'il boit pour le favel. En attendant que nous sautions l'État, nous. Parce que rêve, pas nous, c'est pour nous mettre l'État qui t'a prêté l'argent. Même Jacques, toute nation sur la terre pour développer tout pays doué. Même les États-Unis doué. Ou ils n'ont pas doué nous-mêmes. Mais doué, c'est pour nous une bonne gouvernance, c'est pour nous une lutte réelle contre la corruption. On lutte réellement dit. C'est pour une lutte, on va pouvoir instrumentaliser, pour créer conflit entre citoyens, pour persécuter citoyens avec institutions qui l'a pour combattre la corruption. D'ailleurs, nous, ça a été arrivé. Puis gros, institution qui vient dans le pays a, qui fait lutte contre trafic d'influence, a dit les gros contrats by CCNMP, et bien qui ça, c'est la Commission nationale des marchés publics. Nous sommes juste à en 2010. Il y a un plus gros monde qui a gagné dans le CNMP, qui a demandé 10 secondes de silence pour lui. C'est Robert Marcelo, que monsieur disparaît. Monsieur disparaît dans la lutte que le tap menait contre la corruption. Contre le trafic d'influence et contre le blanchiment d'argent. Il dit, c'est des bails clairs, je dis, il faut que nous travaillions, il faut que nous yon regarder l'autre dans les yeux pour nous dire que faut suspendre, instrumentaliser l'institution pays. Yo. Maintenant, pour nous camper, pour nous dire réellement, nous voulons mettre en lutte, nous yon regarder l'autre dans les yeux, le public et le privé,
pour nous garder nous voulons mener une lutte réelle contre la corruption, pour nous retourner pays à sous crédit, parce que fuck Haïti prêté, fuck Haïti doué, parce que nous besoin quoi pour nous développer pays. On va prendre seulement encore deux questions. J'en ai une à ma gauche. Et je m'excuse, je n'ai pas fini. Il y a le respect de la propriété privée. Maintenant, respect de la propriété privée. Hein. Moi, je pense que grand pile effort qui t'a fait avec SIAT, c'est Commission Interministérielle d'Aménagement du Territoire. C'est une commission, je pense que faut arriver à mettre le niveau. On prend toute institution capitale, que le office national du CADAS, ONACA, que nous parler de direction du domaine de la DGI, faut nous mettre toute institution ça ensemble pour que SIAT là travaille que l'a fait. Parce que moi-même, moi connais que SIAT a fait un travail formidable en d'un pays pour identifier propriété. Avec dit maintenant pour nous accélérer le travail là, qui permet nos temps record. Parce que Haïti, c'est 27 750 km. Pour qui ça, nous pas mettre un programme de 2 ans pour nous identifier tout le monde. Et puis automatiquement, l'identification fin fait, nous identifier. Tout le monde compte qui est, qui pour qui est. Cette histoire d'un nègre, on juge, parce que ça, tout l'important, oui. Réforme justice là, ça. On juge, bon, on va bien, même juge ça, que Caribe c'est pour voir, même juge là, oui. Et puis, après une semaine, juge là, c'est pour regarder si y a un juge là, par non sommation, même les deux, Caribe c'est pas pour moi. C'est pour l'autre nègre. Avait dit, mais la justice, tout, réforme judiciaire là, est extrêmement important pour nous, pour nous y ait des juges qui sont sérieux, qui respectent la loi, qui connaissent que l'on sont juges ou son personnalité, qui respectent et qui respectent et respectent les bagages qu'on n'a pas rien à faire. Et même gens, même moi dis tout, là, au niveau de la police nationale, nous n'y a la police de police, c'est l'inspection générale. Moi, je pense que dans le niveau la justice, faut dans le niveau CSPJ, faut que nous soyons capables d'arriver parce qu'on juge, il n'est pas capable de bon autorité, c'est un coup de bon Dieu que Balil. Parce que, comme disait Montesquieu, le pouvoir arrête le pouvoir. Faut que nous force qui, après, l'on font erreur comme juge, qui a dit, mon cher, pas fait ça. Sauf à là, il n'est pas bon, les nuits à la société ou pas. Et ça, moi-même, je pense que je vais travailler pour lui, pour permettre que les pays, nous avons une commission d'éthique nationale, par contre, comment on appelle elle, mais qui connaît que il y a des actes malhonnêtes qu'on a posés dans le niveau de justice. Il faut que les gens qui ont dit Zoréli, qui disent, mon cher, ça n'a pas passé, ou pas juge encore. Je pense que ça, monsieur qui est dans la justice, je ne suis pas là pour me pointer sur personne. Mais nous connaissons un petit problème, il faut nous résoudre ensemble. Pour nous, un pays que nous rêvons nous toutes, un pays qui chita sous l'ordre et le progrès.